Bonjour YouTube! Bienvenue sur un nouveau jeu beaucoup plus coloré que le précédent, hein, parce qu'on s'est fait Inside l'autre jour, c'est-à-dire tout à l'heure, qui était quand même assez sombre. Là, on passe sur un jeu qui s'appelle Florence, beaucoup plus tranquille a priori, hein, mais vous le savez, des fois ça commence joyeux comme ça, et finalement on se rend compte que tout le monde est mort à la fin, ça arrive, donc on sait jamais. C'est un tout petit jeu, on devrait mettre une heure. Allez, 1h10, peut-être 1h10. On va découvrir ça. Déjà, la musique de l'écran titre est très sympa. Les dessins sont mignons. Allons-y. Allez, je vais juste enlever la cam. Allez, allez, je fais ça. Spout. Y aura-t-il un plot twist? Chapitre 1, adulte. Florence Yio, 25 ans, comme moi, qui se réveille difficilement. Je me brosse les dents. Ah, ça, c'est avec ma meilleure copine. Je vais RT. Ça, c'est avec mon père. Du coup, je like. Ça, c'est moi toute seule. Non, c'est pas moi, parce que c'est une blonde. Je like. Ça, c'est des amis, mais c'est pas les miens. Donc, je like. Ça, c'est mes meilleurs potes. RT. Ça, c'est de la salade. Next. Ah, mais c'est Florence de la Compta! Alors évidemment, on va prendre les plus gros chiffres, hein, parce que... Ah! Trop fort. Ah. Oh! Forceuse! Non. Ah d'accord, faut répondre. Rien, c'est le travail ou ça va, je vais bien. Oh, je vais bien, t'as l'air saoulante, maman. Tout va bien. Je suis occupé. Je n'ai pas besoin que tu me trouves quelqu'un. Oh non, quel relou. Maman relou. Oh, ça y est, j'ai faim. Eh bien voilà une bien belle journée. C'était le chapitre 1. On va donc faire une VOD par chapitre pour YouTube. Donc merci d'avoir regardé ce premier chapitre. Un plaisir. Oh! Chapitre 2, souvenir. Bon. Nous avons trouvé une boîte. Florence Yio, 7 ans. On va bien sûr prendre l'étoile. Cœur vert, là, le bateau Zerator. Ça, c'est la cible de mon assassinat. Ah, je suis obligé de le mettre sur le bateau. Attends, on va mettre sur le drapeau.
finis mon coloriage. Hop. Merde ! C'est pas très pratique. Ah, c'est la merde. Ah, merde. On va s'en sortir, je vous assure qu'on va s'en sortir. Ce gameplay va s'en sortir. Il faut être méthodique. On avait dit une heure, hein. Oui, ouais, écoutez... On peut s'amuser un petit peu, hein? On peut prendre le temps. Voilà! On peut continuer. Ok. Oh God! C'est bon, hein. C'est du sérieux, le collège de Gomet, hein. Oh non ! Tu dois travailler ! Tu ne dois pas faire des gommettes ! Travaille ! Travaille ! Mais on sent qu'elle va mourir et que finalement, on sera quand même heureux. 3 plus... Oh God ! Laissez-moi réfléchir. 3 plus 13. 8 plus 8 plus... C'est pas ça. Tac. À tous les coups, il y aura du drama, j'en suis sûr. C'est genre, on l'aime pas, tu sais, puis finalement, ah, elle est malade, et puis on doit l'aider. Finalement, on s'excuse. Enfin, elle s'excuse sur son lit de mort, un petit peu comme la belle-mère des malheurs de Sophie. Mais on ne lui pardonne pas. Voilà. Je vous ai spoilé les malheurs de Sophie. Les malheurs de Florence. Je suis énervé, moi, je voulais faire des gommettes. Âge 7, heure midi 4. Oh non, elle perd ses amis. Ses amis s'éloignent. Je deviens seul. Eh, du coup, on a retrouvé les souvenirs. Oh, regardez, c'est ce que j'ai fait. J'aurais préféré qu'elle monte le bateau, mais... Mais bon... Chapitre 3. Oh mais c'est encore mes amis là. J'ai pépé ta salade. Ça se trouve faut cliquer sur les gens. Oh non, il y avait rien, il était joli.
Tiens, tiens, tiens. Faites pas genre vous avez pas compris la métaphore. Toujours à ramener les trucs genre la drogue, les gigolos. Je pense que nous avons trouvé peut-être l'amour. Ça va vite l'amour. Regarde ça, maintenant elle ne fait que penser à ce violoncelliste de rue, ce saltimbanque de l'amour. Une rencontre percutante. Ah, on peut les rejouer. Peut-être qu'on peut changer des trucs, ça se trouve. C'était pas une contrebasse. Oh là là, et les professionnels du de l'instrument à cordes là, n'hésitez pas, hein, c'est bon. C'était bien un violoncelle. Très bien. Ah, du coup, voilà, elle était en train de mater et elle s'est pris un bus. Et ben voilà. Mademoiselle? Mademoiselle, est-ce que ça va? Oula. Meunion. Et nous parlons. Beau gosse. Et il s'appelle Krish. 04 91 57 01 064. Premier rendez-vous. T'as la rencontre comme dans les films, quoi. Là, on est dans un film Disney. Si c'est ça, à la fin, la belle-mère meurt du haut de la falaise, mais... J'espère que personne n'a ce numéro. Premier rendez-vous. Moi, je suis timide. Lui a l'air si sûr de lui, si confiant. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux, tout me va. Ça me va, je prends comme toi. Ah. Un moment puzzle. Cherche ses mots. Exactement.
Là, elle est en train de lui raconter qu'elle a tué sa mère. Ça a pas l'air de le déranger. Je pense qu'elle aura besoin d'une commande à vie. Ah ouais. On se prend des petits croissants, des petits chocolats là. Un petit burrito. Finalement, ils ont juste pris un café. Et après, ils sont allés manger direct. Comment tu trouves mon burrito ? Oh, il est juste parfait. Pile de la taille que j'aime. Et qu'est-ce que tu mets dans le burrito ? T'as vu, en fait, les pièces de puzzle sont de plus en plus simples parce que le courant passe de plus en plus. Et là, il va y avoir que deux pièces. Ah non, trois. Merci, Krish. Ils font que bouffer et picoler. Est-ce que je peux t'embrasser? Oh. I. Oi. Oh, regarde, ça se colle tout seul. Ah, j'aime trop. C'est mignon, hein. On attend le drama. Il n'y en aura peut-être pas du tout, hein. On est peut-être simplement sur un jeu très très cool. Une petite histoire d'amour, comme ça. Il n'y a peut-être rien à savoir, hein. Ce serait bien si l'amour nous tombait dessus comme ça. Bah, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens, ça leur est tombé dessus, hein, mais... Le bus allait trop vite. C'est impossible de l'arrêter. Merci Castelliou pour ton 11e mois. C'est le bruit du frein. C'est le frein du bus. Et voilà, et nous ne rencontrerons jamais Krish, car nous nous sommes Crash. Regardez cet amour qui file. Ah, faut aller vers le haut. Bah oui, parce que c'est les rêves, ça va vers le haut. Qui rêve d'être professionnel, tu vois, de monter sur les planches. Oh, allez. Oh là là. Oh là là. Oh, il rêve de célébrité. Mais... Ce n'est pas avec moi. Je ne pourrais pas t'offrir cela, moi. Je vis dans l'ombre. Emrajani. C'est pas folle, vous savez. Lui a de tels grands rêves. J'arrive pas à faire ma phrase. Et moi ? Je n'ai aucun rêve. Je n'ai pas d'ambition.
Est-ce vraiment quelqu'un pour moi ? Peut-être que je devrais simplement faire des gommettes. Mon rêve, c'est d'être artiste. Je veux devenir une professionnelle des gommettes. Créer ma propre appli. Ouvrir ma boutique en ligne. Gommette Pro. Gommetteuse Pro. Inspiration. Streameuse gommette. Mais c'est le bordel. Il y a une Game Boy. C'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça, c'est de la chambre. C'est de la chambre de d'artiste, ça. Artiste, sportif, un peu geek. Oh là là. Arrache-moi ce poster, là. L'homme idéal. Chambre de mec, ça. C'est sûr. Ah, faut aérer, parce que si elle vient là. Mais un peu spirituel, hein. Tout de même. Ça pourrait être ma chambre si j'avais un avenir. Et voilà, j'habite ici. C'est ma chambre. Les toilettes sont sur le palier. C'est pas très pratique. Quand je cuisine, ça pue la mort dans ma chambre parce que j'ai qu'une plaque chauffante électrique. Et il n'y a pas l'eau à l'étage. Mais on s'y sent bien. Académie de musique. Dossier d'inscription en comics en MS. Sûrement une grande académie. Allez, vas-y, tu as le niveau, n'aie pas peur. Tu rencontreras une grande musicienne qui te méritera. Oui, car moi, je ne suis personne. Quelqu'un qui te correspond. Chère maman, j'ai suivi ton conseil. Non, j'ai pas suivi ton conseil, juste. Mais quel artiste, regardez-moi ça. Exploration. Ah, faut attendre que... Waouh ! Premier sushi de Krish. Une explosion de saveur. Là, il a pris un petit peu trop de wasabi. Ça se voit dans son regard. On nous présente à sa famille... qui vraisemblablement sont tous extrêmement poilus. Donc finalement, ça se passe bien. Il a pas rencontré quelqu'un d'autre. Et moi, j'expose. Je suis devenu une artiste. J'expose, regarde ça. Oh là là, mais quelle vie de rêve. Non, on la présente pas à maman.
Et on se fait quelques petits concerts. Amis musiciens. On se fait quelques lignes de coke. Enfin, je veux dire, on passe de bonnes soirées, quoi. Promenade en forêt. Oh, Krish m'apprend le skate. Je suis une vraie catastrophe. Encore heureux que j'ai mes protections aux genoux et aux coudes. Oh, il y en a plein d'autres. Acte 4. Les courses. Et soudain, arriva la discorde. Tu vois, moi, j'aimerais mieux acheter plus équitable, tu vois. Pas acheter des trucs à l'huile de palme. Ouais, mais j'aime bien quand même le beurre de cacahuète, tu vois. Le truc... au beurre de cacahuète. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, mais sans plastique alors. Ouah, ça répond tout seul. Alors non, hein, sans plastique, c'est non. Hors de question de me servir du distributeur là et de ramener mes plats en verre. Hein. Comment ça? Tu ne veux pas sauver la planète? Rien à foutre de la planète. Je veux mon beurre de cacahuète. Et mon McDo. Ça devient épineux, hein. Je pense que tu ne suis pas le bon angle. Merde. Je vais chez Uber Eats. Vite, il est en train de gagner le débat. J'ai plus de répartie, t'as vu ? T'as pas le temps de parler. Merde. C'est course. Toujours la première source de divorce, bien évidemment. Ça, il y a la vaisselle aussi. C'est un vrai problème. Hein. Bon, du coup, il commence un petit peu à... Elle fait un petit effort pour revenir vers lui, mais lui... Mais lui se casse. Ah si ! Il accepte. Ça va pour cette fois. Allez, cuisinons équitable. Six mois plus tard, Krish a été découpé en petits morceaux et caché dans les murs. Déménagé, il emménage chez elle, il a quitté sa chambre. Voyons voir. C'est unpacking. C'est fucking tong. Ce basket, c'est ok. C'est à lui ça, mais non, c'est à nous en fait. Ça, je garde. En fait, les tongs, franchement, poubelle là. Hein. Voilà, pas déconner. Grille-pain, on garde. Ça, c'est chiant, ça prend une place monstre. Qui a le temps de piler sa noix de cajou, là? Pareil, ça, c'est une place monstre. Personne fait ça. Café, on prend. On prend aussi... Oh, le ketchup, on prend. Le grille-pain, on prend, mais alors, je sais pas où le mettre. Peut-être qu'on vire ton vieux grille-pain dégueulasse et on prend le mien qui est golden. Je sais pas.
Et sauce tomate plus pesto, bah... Bah, je sais pas. On enlève le Nutella? Non, j'en sais rien. Allez, hop. What a mess! Ah d'accord, on laisse comme ça. Ah ça, on va le garder, c'était chez lui, il a envie d'un petit peu de spirituality. Sachant que ce nounours là, c'est bon quoi, on a plus 15 ans quoi. Est-ce qu'on enlève la mama? On peut enlever quelques bouquins quand même hein. Ça c'est non. Ça c'est non. Allez, on va être conciliant. On a quand même enlevé beaucoup de bouquins. Hein. Petit bisou. Non, c'est bon. Audition aujourd'hui. Apparemment, ça s'est très bien passé. Excellent, je suis fier de toi. Voici un petit cadeau. Oh, quoi ? Oh, de la peinture pour faire mes gommettes ? Oh. J'ai eu un succès photo de famille. Je suis sûr que c'est parce que j'ai laissé les deux. Ils vont pas se rendormir là. Elle mange pas la croûte. Krish Prols. Oh, tu me manques. Mort de rire. Connard. Mort de rire. Bon allez, c'est bon. Quoi ? Clin d'œil ? Je suis triste. Moi aussi. Waouh, l'amour me donne des ailes. J'ai même pas cliqué dessus, elle a fait son travail. Faut bien secouer. Il est serein. Il est serein, il a trouvé sa vraie voix. Tu vois, quand il joue de la musique, plus rien n'a d'importance. Là, tu vois, elle a le syndrome du bras mort. Hein. Elle ne sent plus son bras. Chapitre 12, Poutine. Petit voyage en Russie, apparemment. Un an plus tard. Ah, tu vois, ils dorment plus bras dans les bras. En même temps, ça doit être super chiant. Il se rase même plus, ouais. Tu vois, il est devenu aigri. Le travail, c'est difficile.
La routine s'installe. Mais la routine, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah ! Je n'ai plus besoin que tu me trouves quelqu'un. Ok. Je vais bien. Je n'ai plus besoin que tu me trouves quelqu'un. Ça va, je vais bien. Netflix and chill. Elle mange toujours pas la croûte. Faut pas être parfait, hein. Et un gros dodo. La routine, c'est ce qu'il y a de mieux, non? Alors ça, c'est le début de relation, et puis petit à petit... un peu de neutre. Motif de rupture, de pas manger la croûte? Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Ah, ça, c'est son ancien rêve. Et finalement... Finalement, il a toujours ses jeans troués. Je vais vous laisser un petit peu de gratouillis pour vos triggers. Et concernant les gommettes, alors? Eh bien, ce rêve est oublié sous les paperasses de mon boulot de la compta. Adieu les gommettes. Querelle. Après la poutine, une bonne quenelle. Tu vois, je l'appelle, il répond pas. Qu'est-ce que tu fais? T'es encore avec ta pote, là? Vous êtes que tous les deux? Comment ça, vous êtes que tous les deux? Grrr. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, c'est toi qui me regardes, là. Tu saoules? Vas-y, fais la vaisselle, saoule pas. On devrait peut-être se séparer. Pardon ? C'est le drama qu'on attendait, hein, finalement. C'est ça. Bah, tu sais quoi ? Casse-toi ! Ouais, je me casse. La vaisselle, je vous l'avais dit, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Elle est aussi poilue que ton père! Merde. Je te quitte. Trop de poils. Mais c'est génétique, je peux rien y faire. C'est trop. Ah, ils vont être dos à dos, là. Ils ne se regardent plus. C'est pas sa tête, ça. Ah, mais il n'y a même pas de truc au centre, là. Hein? Il marche pas, votre puzzle. Très bien. Il s'emboîte plus. Et voilà. La fin du couple. Fallait continuer à s'emboîter. Mais s'emboîter n'est pas le motif de rupture, je pense. Enfin, je veux dire... On continue. Vous avez vu que le fond devient un petit peu gris.
Là, ils disent adieu. Non, reste! Les pièces s'en vont! Attends! Et le départ. Il reprend ses affaires dans les cartons. Prends tes putains de condiments là. Mais s'il te plaît, laisse-moi le Nutella. Ok. Tu prends tes caleçons sales et tu sors de ma vie. Hors de ma vue! Tiens. Prends ta photo de famille, là. T'as vu qu'on a viré nous-mêmes la photo de la madre? T'as vu, lui, il a remis ça, là. Mais garde ton truc, là. C'est bon. Tu me pompes. Ah non, c'est à moi. Voilà seul. La pluie. La grisaille. Ah, on enlève carrément les petites photos là. Ah oui, oh, poubelle. C'est bon. C'est next. Maintenant, j'installe une appli de rencontre là. Acte V bâton. Fragment. Comment ça s'appelle les applis de rencontre là? La plus connue, là, le truc, là. Tinder. Ah, je pensais à Tinder. Mythique, ça existe encore, ça? Grindr pour lui. Le bon coin. Ça va swiper à droite. Est-ce qu'on regrette ou est-ce que finalement... Ah non, non, on l'efface totalement, là. Grindr, quel enfer. Mais c'est un site de rencontre gay, Grindr. Du coup, c'est pas pour elle. Regardez le temps qui passe. Elle l'attend. Elle va au sushi shop. Et il n'est pas là. Dans le bus, il n'est pas là. Oui, pour lui, ah d'accord, j'avais pas compris. C'est plan cul, mais oui. Ah! Ah oui, alors d'accord. Écoutez, elle fait ce qu'elle veut, après tout. Rencontre, d'accord, excusez-moi. Oh non, on va appeler maman. On a vraiment touché le fond. On a touché le fond. Je te l'avais bien dit. Lâcher prise. Maintenant, il faut réussir à l'oublier pour passer à autre chose. Aller de l'avant. Dire merci pour tous ces bons moments. Mais tu peux peut-être trouver d'autres bons moments avec une personne qui te correspond mieux, voilà. Je sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était peut-être pas fait pour ça. Ou alors, tu surmontes la routine, qui est le futur, a priori, de tout le monde, en couple, et tu te dis que, bah, finalement, c'est pas si mal, la routine. Et tu arrêtes de saouler, ok?
j'ai eu un succès acceptation. La routine, c'est vraiment le top. Moi, j'aime bien la routine. Wake up, bitch! Ah! Quand soudain, maintenant que je n'ai plus à m'occuper de ce gros lourdeau de criche, je peux reprendre mon activité préférée, les gommettes. Et ainsi m'épanouir, et peut-être qu'à ce moment-là, je me rendrai compte que c'était moi qui étais insupportable depuis le début. Et ainsi, Krish revient. Le crush de Krish. Regardez, je m'épanouis, telle cette plante. Lofi girl, ouais. La cuisine avec maman. Deuxième prix de beauté. Club de dessin, ou peut-être nous pourrions faire une rencontre. Un chat qui s'appelle Tartine. La boutique en ligne de gommettes. On l'avait dit. Voilà. Vendu. Oh là là. Elle est sur Etsy. Ah, ça se passe bien. La vie continue. Et voilà, finalement. La vie de couple que tout le monde adore autant, là, ou que les médias dépeint comme étant la nécessité, le but d'une vie, en fait, pas forcément. Tu peux très bien t'épanouir dans autre chose et arrêter de te suivre la société. J'arrête la comptabilité. Je lance ma chaîne YouTube. Salut mes petites gommettes, aujourd'hui... Oh. Flo fait des vidéos. Petit souvenir. Est-ce que je l'emmène ou est-ce que je déchire la photo? Je l'emmène. Et c'est comme ça qu'Angle Droit a commencé à Twitch. très bel art. Oh, vraiment magnifique gommette. Hein. MDR, mon neveu de 7 ans fait mieux. Pas rendu. Mais c'est quoi ces croûtes? Regardez-moi cette vie épanouie. Petit chat, ouais. Et ben voilà. Voilà une vie épanouie sans l'amour, tu vois, il y a pas le retour, genre oh là là, finalement on recroise nos chemins. Le destin. Non, pas besoin. Tu vois, t'as vécu une belle histoire et next. Tu n'es pas obligé de suivre ce que la société veut, là. Allez, vas-y.
trouve-toi un mec, fais des gosses. Pas forcément, voilà, on s'est épanoui sans ça. Voilà. C'était mignon, et ça a duré 50 minutes. C'est dommage qu'on ait pas fait une vidéo de 50 minutes du jeu Inside. Voilà. Flûte, clarinette, RP. Les mecs, c'est surcoté. Ça dépend pour qui, hein. Il faut surtout que vous fassiez ce qui vous convienne. Voilà. Et que vivre à deux, ou je sais pas quoi, c'est pas pour tout le monde, hein. Tu peux très bien vivre heureux. Tout va bien. C'était sympa, c'était marrant. Bon, est-ce que j'ai mis une ambiance amoureuse et... Je sais pas, parce que... Un remerciement tout particulier à nos testeurs, hein. Vos commentaires nous ont été précieux, clairement. Plus que deux. Et vous faites comme vous voulez. Je m'en fous. Bon, après, il y a un truc qui est illégal, c'est la polygamie, je crois. Il n'y a pas un truc illégal comme ça. T'as pas le droit de te marier avec deux femmes, je crois. Il y a un truc illégal. Mais après, je pense que... S'il n'y a pas de mariage, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Du moment que tout le monde est consentant. Retour à l'écran titre. Merci d'avoir joué. Suivez-nous. Oh, ils m'ont remis mon papillon fait avec amour. C'est quand même... J'ai mis plus de travail dans le bateau et ils ont retenu que le papillon que j'ai mis en mode... Vas-y, c'est bon, ça m'a gonflé. Voici la galerie. Oh. Image non utilisée. Premier concept art de personnage. Alors, autant lui, il a pas trop changé. Autant elle, elle était pas totalement comme ça. Hein. Premier concept art du chapitre premier rendez-vous. Image promotionnelle pour le nouvel an chinois. Style artistique. Elle est marrante cette image. On dirait pas le visage, on dirait pas les trucs de Link et Terracide là. Si ouais. Oui. Style graphique, voilà, le canapé qui en a vu des vertes et des pas mûres. Ah, c'est pas mal ça. Ça fait réfléchir ça. Des verges et des pas mûres. C'est marrant. Poltron et sofa. Artisan de la qualité, oui. Et voilà. Poltron et sofa. Image non utilisée. On l'a pas vu, ça ? Il me semblait. J'avais un peu oublié depuis le temps. Je suis content de l'avoir fait une première fois de mon côté. Pour des jeux comme ça, c'est pas trop mon truc de en live avec tout le temps des blagues. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'espère avoir été trop chiant. Poster magazine.
T'inquiète. Annapurna, Annapurna, toujours là. Hein. Ébauche. C'est marrant qu'ils aient laissé ces dessins comme ça. 2017? Ah, je sais pas du tout. J'ai pas fait attention quand je l'ai pris. Premier concept art. On a fini. Eh bien, très bien. YouTube, si tu es encore là, à bientôt. J'espère que cette petite aventure mignonne, t'a plu. C'était rafraîchissant. Des bisous, à bientôt. Bye bye. Ceci est un coucou.